Simplement, je voudrais juste intervenir. J'ai deux mots à dire et puis sans plus. Hein. Là, je m'adresse directement à Ali Malek, qui est un vieux routier aussi, comme moi. Hein. J'ai juste une question à lui poser. Est-ce que réellement vous avez la conscience tranquille après ça, ce que vous venez de faire? Sincèrement, est-ce que vous avez la conscience tranquille? Si c'est le cas, vous savez très bien le respect que je vous porte et depuis très longtemps. Pardonnez-moi, vous êtes un homme que je respecte beaucoup dans la sphère sportive. Je vous pose juste cette question. Si vous êtes en symbiose avec votre esprit et votre conscience, je le regrette parce que je pensais que vous étiez un homme qui allait sortir vraiment par la grande porte parce que vous avez marqué votre passage dans le monde du sport. Je regrette que vous ayez choisi de sortir par la porte du service. Ça, je le regrette sincèrement. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que la question tient, où est, c'est une réponse. De la terminer pour dire condamné, bah, il est libre de condamner. Il est libre de condamner, mais en contrepartie, l'éloge qu'il a fait de ma personne, moi aussi, en retour, c'est une personne. C'est une personne que j'ai toujours. Respecter, admirer, que ce soit sur le terrain en tant qu'athlète, je l'ai suivi, que ce soit dans son club, surtout en équipe nationale. Il a assumé des responsabilités importantes au niveau du football algérien. Il a toujours été exemplaire, malheureusement. Les règlements qui sont en vigueur ne permettent pas à ce grand monsieur de postuler en l'état actuel à la présidence de la fédération pour l'année. J'ai dit que je ne réponds pas, mais je vais répondre. J'ai la conscience tranquille, super tranquille. J'ai la tête sur les épaules. Je la garde sur les épaules. Quand je me regarde dans une glace, je suis fier de moi. Je parle de moi, que ce soit dans ce domaine, ou dans le monde passé, civil, professionnel ou footballistique. J'ai pas froid aux yeux, je regarde dans les yeux qui que ce soit. حتى واحد ما يحط لي عينيا في حياتي اليومية في الشارع وفي العائلة وفي المهنة تاعي. كنت 41 سنة على مستوى في واحد البنك اللي نسميه البنك الخارجي الجزائري، اختلفت الرأي مع بزاف الأصدقاء فوق عليا ولا تحت عليا، و جي لا كونسيونس ترانكيل، تو مون باسي بروبر، وإن شاء الله، ميم مون افونيغ، إل سرا بروبر.